Bon, on va aller sur le petit bord là. Je sais pas si c'est ce bord ici. Ouais, non, je me demande si c'est pas là, non? Ah non, pas traverser l'eau, pas traverser l'eau. Oiseau, Mais oui, il l'a dit en plus, hein. Il l'a dit qu'il fallait passer par la porte secrète. Et c'est juste ici en dessous, il y a la grotte où on doit passer, qui est là. la voilà, petite coquine. Bon bah allez. Alors fais gaffe s'il n'y a pas d'eau chaud. J'ai pris d'un pont quand même. Ouais, il y a de l'eau. Non mais ça va. Ça ramène dans une salle. Ah oui. Ah bah c'est le fameux labo secret. Regarde, il y a le parchemin. Ah ouais. Ah, c'est encore de l'anglais. D'après ses notes, il semble que Melkar ait poursuivi ses recherches ici en secret. Il part de se réfugier dans cette caverne pour éviter une tribu dangereuse dans le monde interdit. Il semble qu'il n'ait pas réussi à trouver l'ingrédient final de l'élixir dans ce pays et ne semble pas découragé. Il pense que les vastes monuments construits par les géants indiquent qu'il voyage dans la bonne direction. Il prévoyait de s'aventurer vers le nord, mais ses notes semblent avoir été interrompues de façon inattendue. Où est-ce qu'on est? Wow. De l'autre côté, normalement. Alors j'ai plus besoin de ma lampe torche. Ça, c'est une sauterelle de niveau 19, un truc du genre, ça. 13. 13. Ah ouais. Oh putain! Ah! Bonjour. Bonjour, monsieur. Et il y en a plein? Il y a plein de bonhommes? Un truc à Black récupérer. récupérer, Black Pawn. Ah, c'est une pièce d'échec. Ouais. Non. Et quoi, on peut les tuer, on peut les frapper, Je enfin. sais pas. C'est pas les fameux autochtones dangereux dont il parlait? Normalement, ouais, on aura. On... Et oh! De santé. Oh, des Ulu. Il a donné de l'argent. Ah ouais? Ouais. Mais je sens que ça... Ouais, ça va être là le combat. Ça. La pupille? Ouais, ça pue. Ah. Ça ressemble trop à un temple de... Tu sais, Je me de... sacrifie, je me sacrifie, j'y vais. Vas-y. Attends, on va voir ce que ça dit. Y a quelqu'un? Oh. Wow, stylé. Bonjour, Malik machin. Ah, c'est en anglais. Ah, l'interlope me rejoint enfin. Salutations, vous m'attendiez? Quelques événements ont échappé à votre surveillance et votre arrivée n'en fait pas partie. Je soupçonnais que vous trouviez le chemin jusqu'ici, à coup sûr. Savoir que ces terres sont celles de la tribu Ether et qu'on n'est pas les bienvenus ici. La tribu Ether, qu'est-ce que vous avez contre mon peuple? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Je ne suis pas surpris. Nous avons appris récemment votre présence ici dans le Overland. Il y a quelques lunes, votre peuple était un peu plus présent. Ah non, était plutôt des références dans nos anciens textes. Alors pourquoi nous accueillir avec hostilité? Textes qui parlent des atrocités commises par votre peuple contre nos ancêtres. Votre leader, Idric, est convaincu que vous avez émergé des profondeurs pour mener la guerre contre nous. Qui êtes-vous?
Je suis Malik, commerçant en atomanceur, et vous êtes dans mon temple du ciel. Temple du ciel ? Ornatomancien ? Ce temple est là où je fais mon travail. En tant que ornatomanceur, j'élève et j'entraîne les créatures du ciel. Mes oiseaux sont prévus pour porter le poids d'un voyageur sur leur dos, ce qui en fait une possession de valeur. Les hommes et femmes de loin viennent de loin, des vallées d'ambre pour sécuriser leurs compagnons à elles. Impressionnant. Pourrais-je moi aussi acquérir l'un de ces compagnons ailés ? Vendre mes oiseaux à je sais pas quoi. Un habitant des profondeurs, non ? Si n'importe qui le savait. De plus, je n'ai pas d'œuf disponible en ce moment. Et si je vous apportais un œuf ? C'est plus facile à dire qu'à faire. Acquérir un œuf signifie braver l'un des nids. Vous n'allez certainement pas survivre au danger, mais si vous réussissez, je pourrais faire une exception pour vous. Pour le bon prix, bien sûr. Bien sûr, et quel est le prix ? 500 outs. C'est quoi des outs ? C'est quoi des outs ? Un ulule. Qu'échangez-vous ? J'échange des artefacts. La plupart d'entre eux sont trop gros pour être déplacés, mais il y a quelques petites pièces aux alentours. Ce sont devenus des objets populaires décoratifs parmi les riches qui, pour les ceux qui ont besoin de faire un business lucratif. Est-ce que vous voudriez échanger avec moi ? J'ai peur que je n'ai plus rien d'autre à vendre cette fois-ci. En fait, si vous êtes en possession de certains artefacts, je serais prêt à les prendre de vos mains. Il y a actuellement une forte demande pour ces pièces en bois. Vous verrez de votre côté. Je vais compenser généreusement pour n'importe quelle pièce que vous me rapporterez. Oh la vache ! Tout ce qu'il faut trouver ! Ah ouais, effectivement, faut pas mal de pieds. Ouais, c'est tout l'échiquier noir et blanc. Il y a un oiseau ici ! On peut voir le nid pas loin alors du coup. Là on peut grimper ici. Besoin d'une pioche. Il est où le nid ? Tu vois où le nid ? Il se fait attaquer par l'oiseau. Tu te fais attaquer par l'oiseau ? Et où Chao ? Je le vois pas. Il est bugué. Ah oui, il est... J'en profite. Ouais, je vois, il est bloqué. Je suis en dessous de lui. Je vais bientôt tuer. Tuer l'oiseau, carrément ? Ah, ouais. Son corps, il tombe en bas. Ah ouais ? Bon, en fait, il était bugué, donc easy money, enfin... Aïe, aïe, aïe. T'as besoin d'une pioche. Ah ! Non, mais Lulu ! Voilà, du coup. Je le vois plus là, sa vie. Ouais. Voilà. On l'a presque fini. Vous êtes prêts ? Vas-y. Voilà. Et. Oh, Blue Bird Egg récupéré. Ah bon ? Ouais. Il n'y en a qu'un seul ? Il n'y en avait qu'un seul. Ah. Tenez. Hop. Oh ouais, il est gros. La prime question. Mais viens, suis-moi. Mais viens, viens, petit oiseau de merde. Ah, ça c'est pas juste, il traverse les... Il traverse les racines. Ah, c'est pas juste. Une cheat l'oiseau, c'est un gros cheater. Ouais, cheater. Oh merde, il m'a tué. Voilà. Tiens, là, si tu veux, Fra. Tu l'as mis où, les ailes? Ah ouais, là, ok. Tout est là-dedans. Ah ouais, le home. Hein. Ok. C'est pas que, mais on est stylé, hein. C'est toujours pour planer, on peut pas voler, hein. Mais on peut faire une ruée aérienne. Une ruée.
rue et à rien. Attends, c'est left ouais. Attends. Left shift. Allez, non, dégage avec ton tab. Wouah! Oh oui! Oh oui, mais on peut grimper, bah si! Oh! Et ça consomme pas trop d'énergie? Hop là! What? On peut aller au-dessus de la maison facilement maintenant? Ah ouais, j'ai de voir, c'est ouf! Non mais. Et on a bien fait de s'emmerder à la faire en fait, l'armure! Elle est dingue! Et il faudra faire 500 pièces du coup. Pour quoi faire? Pour l'oiseau, on voudra en faire 500. Pour en faire 500, il en faut combien? C'était 5 pyrites. Non, une non. Pyrite pour 20... 5 ulules. 20 pyrites les 5. 5 ulules. Ouais. Oh oh. Mais en plus, ils donnent des ulus les gars là. C'est parti! Voilà, je suis arrivé à quasi 300 ulules. J'en ai 140 sur 50 en... 146. Tiens, je te les mets par terre. Ouais, vas-y. Voilà. Alors. J'ai apporté un œuf pour vous entraîner. Voilà, donc voici. Wow. Mince. Je me dis, il a grandi d'un coup le con. Oh, 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 salut. Et alors, du coup, je fais comment? Vas-y, tu peux rien faire? Quoi? Tu fais signe le oiseau là? Ah voilà, chevauché. Ah ah. Oh, tu te mets là où je suis, Fra? Comme ça, attends. Tu Mickey le fait? Oh, attends, c'est terrible, va vite! Ça a l'air d'être une galère! Comment on descend? Attends, redescendre C. Putain, pourquoi redescendre C? Atterrir Q! Atterrir Q! Ok, atterrir Q! Bon, attends. Ouais. Attends. Il est bien là, il est nickel. Il est mignon. Il est génial là. Attends. Il est nickel là. Inspecter. Alors, comment je vais l'appeler? Zozio. Moi je vais l'appeler Warzaza. Ah oui, pouf. Y'a pas d'animation, ouais. Rien. C'est... Le Zozio il est là. Chevaucher. Franchement, il n'y a rien à dire. Le monde est magnifique vu d'en haut. Waouh, c'est magique. Oh, quand tu vas plus en haut, tu vois un pont, un pont à train, j'ai l'impression. C'est un pont à voiture? Le pont du Poudlard Express. Merde. Ah, j'ai raté la branche. Oh, heureusement qu'il ne s'attaque pas à notre piou-piou, hein, le bon oiseau, là. Allez, les amis, je vais vous faire la visite des lieux. Alors... voici l'entrée. On peut retrouver l'établi d'un côté et la vasque de l'autre. Alors ici, c'est la salle avec tous nos coffres et également les divers établis. Métiers à tisser. Alors ici, la zone cuisine avec notre petit fourneau. Les coffres. La table de préparation, le chaudron, le feu de camp,
Alors ici, c'est la zone de repos, une genre de terrasse avec la table d'apothicaire. Et on va partir à l'étage. Alors sur notre gauche, on peut se retrouver sur une terrasse. Alors du coup, on va aller voir ma chambre maintenant. On va fermer la porte. Voici ma chambre avec le petit coin cosy, mon lit, le coffre, le bureau, l'armoire. Voilà, tranquillou. J'ai bien évidemment une jolie petite terrasse qui n'est pas encore aménagée, mais ça viendra. Alors maintenant, on va aller à l'étage. Et là, c'est la chambre de Shao et Mickey, avec leur lit à baldaquin. Jolie déco et tout. Ils ont même un petit coin terrasse pour des soirées entre amoureux. Ici, le petit coin bureau. Et enfin, l'aire de lancement avec les catapultes. Attention, il est arrivé. Ah. Hello, petit piou-piou. Oh punaise. Ah, ça fait bizarre à la première personne. Bizarre. Waouh, ça fait vraiment bizarre, ça c'est... Vraiment, ça fait extrêmement bizarre à la première personne.